Je veux qu'il soit méchant. Donc. Faut être méchant pour gagner, par exemple. Ouais. Faut être gentil. C'est pas une course de gentil. On a droit à tout ça ce jour-là. Mal rasé, dégueulasse, ordurier, c'est le jour. Pas aimable. Pas aimable, con. Quand on arrive à faire tout en même temps, on a une chance de gagner. Voilà. Mais déjà, vous voyez bien, quand vous roulez sur les pavés, c'est pas lisse. Donc si vous, vous êtes lisse, vous pouvez pas vous en tirer. Et moi, quand je faisais Roubaix, j'étais méchant. Tout juste si je connaissais encore mon père et ma mère. Je connaissais mon frère parce que j'en avais besoin. Moi, je suis pas méchant. Mais j'étais capable d'être méchant le jour où il fallait être méchant. Je mettais le dossard, je devenais un autre homme. Voilà. Et le jour où vous n'êtes plus un autre homme, quand vous mettez le dossard sur une course comme celle-là, il est l'heure d'arrêter. Enfin, c'est une course, faut, enfin, comme je leur dis, faut mettre de l'impact, faut mettre de l'agressivité. Faut... On n'est pas là pour, voilà, bestial, ouais, bestial. Est-ce qui te fait penser que Arnaud peut se comporter? Ah, j'en sais rien, moi, je l'ai pas dans le marc de café, mon pauvre. Je vais essayer demain soir, c'est mon boulot. Avec Guédon, c'est notre boulot. Est-ce qu'Arnaud a déjà été aussi bien entouré sur Paris-Roubaix? C'est pas une histoire d'entourage, c'est lui d'abord. C'est pas une histoire d'entourage, je vais vous expliquer pourquoi. En 84, chez Renault, on avait une grosse équipe. Fignon, toute la clique et tout ça. À la sortie d'Arenberg, il n'y avait plus personne en course. Zéro coureur. Un et d'après, on fait un et deux. Donc, c'est pas une histoire d'entourage. Il faut aller chercher autre chose en soi, au plus profond de toi.